ma fille. Oui, Tanti. Comment tu vas? Je vais super bien. Et vous? Oui, ça va. Ah, Dieu merci. Ah, tu es toute belle comme ça. Oui, merci, Tanti. C'est grâce à vos bénédictions et la grâce de Dieu. Et les affaires? Justement, c'est pour ça que je suis là, pour partager ma joie avec vous, vu que vous êtes ma seule famille qui me reste. Après la fin de mes études, j'ai eu un bon boulot, j'ai une très grande maison et en plus j'ai une très belle voiture. Wow, gloire à Dieu. Ah, je suis vraiment fière de toi, ma fille. Merci, ma tante. Aïe, ma tante, qu'est-ce qui se passe? J'étais en train de penser à mon grand frère. S'il était là. Mais il n'est pas là. Vous, vous êtes là. C'est comme s'il est là. C'est vrai aussi. Comme, tu es comme ma fille. Dieu ne m'a pas donné des enfants. Mais toi, tu es là, tu es comme ma fille. Donc vraiment, je suis vraiment fière de toi, ma fille. Merci, ma tante. Ok. Tu sais ce qu'on va faire? Ferme tes yeux, je vais prier pour toi. D'accord, ma tante. Que Dieu exauce tes vœux. Amen. Qu'il te donne tout ce que tu veux. Amen. Qu'il te donne de beaux enfants. Amen. Qu'il te donne un bon mari. Amen. Qu'il te donne de beaux enfants. Amen. Que dans ton lieu de travail, là, que tout aille bien. Amen. Santé, prospérité, amen. Longévité, tout ce qui est bon dans la vie. Amen. J'ai prié au nom puissant de Jésus. Amen. Hein? Oui. Toi, tu es arrivé ici à quel âge? Je viens tout juste d'arriver comme ça. Hein? Vraiment, que Dieu exauce vos prières. Amen. Ma fille, crève. En t'en va un verre. Non, moi ça va, c'est bon, merci beaucoup, ça va. Okay. Tu as vu ma fille? Elle est toute belle. Ouais, elle est très bien, elle est belle, elle est belle. Merci. C'est... J'avais une question à te poser, la vieille. Est-ce que celle-là, tu l'aimes réellement? Oui, c'est ma fille. Ça, c'est quelle question, ça, là? C'est ta propre fille, celle-là? Oui. Ah. Il y a un problème? Non, il n'y a même pas de problème, c'est bien, c'est bien. Est-ce que vous l'aimez réellement, comme vous le dites là? Oui, je l'aime, c'est ma fille. Ah. Est-ce que cette fille-là, la prière dont vous avez fait pour elle, là, réellement ça vient du fond de votre cœur là? Oui. La prière vient du fond du cœur. Aïe. Vous savez, dans la vie, c'est ce qu'on dit. Il y a un proverbe qui dit, tout ce que tu sèmes là, c'est ce que tu récoltes. Mais tiens-toi bon d'avoir bien sémé. Si ce que tu sèmes qui n'est pas bien là, c'est la même chose que tu vas récolter et c'est ça que tu vas manger. Et c'est quoi ça veut dire? Toi, ne pas aller te promettre dans les cabarets, boire tes dolos là, puis tu viens t'arrêter devant moi pour parler bizarre. Il y a quoi? Non, pas. Il y a rien. Toi là, tu as bu tes dolos là encore et puis tu viens pour m'emmerder à l'air là. C'est ça aussi. Si c'est pour ça, tu vas sortir. Ne vous empressez pas, je vais partir. C'est ce qu'on dit là. Tous ceux qui disent la vérité sont rejetés par la loi et de notre environnement. C'est-à-dire qu'on ne les aime pas. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? On ne les aime pas du tout. Mais je ne le comprends même pas. Tu comprends, tu fais juste semblant. Ton intelligence est très tellement évoluée, tu fais juste semblant. Tu fais semblant. Tes verres là, tu as mis quoi dans le verre là? J'ai mis quoi? Tu as mis quoi dans le verre là? Je n'ai rien mis. Tu n'as rien mis? Non. Si tu n'as rien mis, tant mieux. Parce que c'est ce que tu as semé là, que tu vas récolter tout à l'heure. J'ai pas dit. Pourquoi tu vas vouloir empoisonner la vie d'autrui? Ma tante! Ma tante, qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Je me suis occupée de toi. Je te prenais pour ma propre mère. Écoute, ma chérie. Tu avais été empoisonné. Moi, j'ai changé les verres au moment où vous étiez en train de prier. Quand tu marches, il faut savoir faire confiance avec qui tu marches. Ma propre tante veut m'empoisonner, veut me tuer. Pourquoi? Pourquoi? Ah, bon, moi je vais vous accompagner. Vraiment, que Dieu exauce vos prières. Je suis parti.
Madame, pourquoi? Pourquoi? Si ce monsieur n'était pas là, donc ça veut dire que tu allais me tuer comme ça. Qu'est-ce que tu fais de mal? Je t'ai fait quoi de mal?